In its 26 years, Art Paris has earned its reputation as a staple in Europe's spring arts calendar. The contemporary and modern art fair's rise reflects the French capital's own, from passé to pioneering. Today, Paris has a lively gallery scene that's attracting international attention, a flourishing creative community that's on full display here at Art Paris. This year's edition pays tribute to the French art scene and all of its diversity. A specially curated exhibition called Fragile Utopias features works that characterize French art today. The selection is scattered across the venue and includes foreign artists who have sought refuge in France, like Iranian-born Elika Hedayat. Elika Hedayat is a good example of the way you can speak about utopia, taking into account dystopias, in fact. She's starting from what she experienced in Iran with repression, censorship, and violence to women. But from that, she creates a new world. The hair becomes a tool to invent something completely new. More than other art fairs, Art Paris prominently features young artists and galleries, giving collectors and visitors a chance to meet promising new talent. En fait, c'est un système où on enlève en fait du bois. Okay. Donc en fait, toutes les stries, c'est faut voir que c'est creux. 28-year-old Morgan Elie's work transforms fleeting images from pop culture, using a traditional Japanese woodblocking technique. Ce qui m'intéressait, c'était ce décalage entre la technique traditionnelle japonaise, qui est une technique très avec beaucoup de règles, et dans la technique et dans les sujets. Et aussi, du coup, ces images qui sont complètement floues. C'est un peu cette idée de prendre une image un peu de mauvaise qualité pour lui donner de l'importance par le temps que je mets à la graver, en fait. Morgan's found an ally in Manon Sailly, founder of the nomadic French gallery Hors Cadre. C'est vrai que moi, mon travail, je le vois comme étant une découvreuse de talents, un incubateur, justement. C'est-à-dire que je découvre les artistes au début de leur carrière et je vais travailler avec eux. Et c'est ça qui est passionnant. C'est aussi voilà, comment un artiste va éclore, se professionnaliser et cette collaboration de long terme. From sculptures and paintings to ceramics and mixed media, the fair showcases an impressive variety of works across 136 different galleries. Beaucoup de collectionneurs qui m'ont parlé aujourd'hui nous complimentent sur justement la qualité de cette édition. Voilà, le fait qu'on sente qu'il y a une sélection qui est très pointue, des galeries qui viennent avec des vrais projets, qui racontent une véritable histoire et qui ne font pas de l'échantillonnage. On sent qu'on est ici et qu'on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. It's the last time Art Paris will be welcoming visitors here in the shadow of the Eiffel Tower. Next year, it will reclaim its spot in the renovated Grand Palais.